Papillon Rouge Parfum, une marque de parfum de niche avec des vrais partis pris créatifs, avec des notes majoritairement naturelles qui vont vous apporter une vraie singularité, une personnalité, avec des parfums comme Alchemist, L'Impoli ou Blood Drop. Que des noms de papillons poétiques et des parfums addictifs, des parfums qui, si vous les aimez, vous ne les oublierez jamais. Alors un parfum, pour une femme française, c'est avant tout une expression de soi. C'est comme une expression vestimentaire, du maquillage, un bijou, c'est quelque chose qui vous représente, qui vous accompagne tout au long de la journée, tout au long de votre vie, parfois, parce qu'il y a aussi des gens qui ne changent jamais de parfum. C'est quelque chose qui est présent avec vous toute la journée, mais même qui vous devance, puisqu'on peut reconnaître votre parfum avant même que vous entriez dans une pièce. Donc c'est vraiment une expression olfactive de votre personnalité. C'est quelque chose aussi qui permet de se sentir plus affirmé, plus sûr de soi, plus fort et peut-être plus séductrice. Alors la principale différence entre un parfum de niche et des parfums de grande diffusion, c'est la forte proportion de matières premières naturelles. Et d'ailleurs, quand on se concentre et qu'on sent nos parfums ou la parfumerie niche en général, on peut réellement ressentir et retrouver les ingrédients et les matières premières naturelles. Alors c'est la raison pour laquelle des maisons indépendantes ont lancé des gammes plus originales, plus audacieuses, plus osées, des gammes de parfums qui ne sortent pas des études de marché mais qui viennent de la tête d'un créateur qui a vraiment eu une intuition, une envie, une expression qui s'est d'abord créée dans le cerveau, qui a ensuite été mise en parfum avec différents ingrédients, des ingrédients nobles, les plus naturels possibles. Tout l'argent des parfums de niche est mis en fait dans la qualité des ingrédients, leur durabilité et non pas dans le marketing ou la mannequin ou l'égérie qui est censée représenter le parfum. C'est la raison pour laquelle beaucoup de matières premières naturelles de grande qualité sont utilisées dans ces parfums. Elles vont permettre d'avoir une très bonne tenue, mais également une singularité qui s'exprime en fonction de la peau de chacun. Et c'est vraiment ce qui permet à la plupart des gens qui s'intéressent aux parfums de trouver un parfum qui leur corresponde, qui ne soit pas forcément le parfum de tout le monde.